face à Yamoussoukro, le match de la 8e de finale qui continue. Et bien sûr, pour cette affiche, c'est Yamoussoukro Kokoti. On voit là les deux équipes qui rentrent sur l'aire de jeu avec bien sûr le drapeau ivoirien pour annoncer la couleur de cette Coupe d'Afrique. Et salut. Il peut mettre à son équipe de marquer. Donc, il faudra avoir cette qualité dans ses déplacements et sa mobilité. Tout doit passer par lui. Donc, ça sera pourquoi pas un choix tactique mérité. Le coup d'envoi de ce match vient d'être donné ici. Les joueurs de Yamoussoukro sont habillés pour la circonstance. En 1 minute 35 secondes. C'est terminé pour ce temps réglementaire de ce match. Yamoussoukro MC 0, Makori MC 0. La séance fatidique des tirs au but. 50-50 pour départager ces deux équipes. Ah oui, c'est une période essentiellement consacrée à l'expertise, au sang-froid qui est consacré aux expérimentés, surtout à la qualité technique, à avant la concentration, à l'élan. Avant ces tirs au but, on va revoir les temps forts de ce match. Les temps forts, c'est parti. Très tôt, très vite, par les joueurs de Yamoussoukro, par l'entremise de Maï David, qui va amener la première mèche de ce match. Ah oui, cette frappe de Maï, c'est lui, hein, il était beaucoup mis en évidence, ce joueur-là, Maï David. Il était très pertinent dans les phases offensives, et puis on a vu là aussi Raphaël, l'attaquant, qui essayait de s'illustrer offensivement. Cette balle qui a percé toute une défense, on l'a vu même malgré... le retour et qui empêchait complètement Sylla. Il souffre l'excellent Sylla, le capitaine. La passe à destination de son partenaire Djabi. Et que cette remise-là, il a manqué de justesse. De justesse. Et il y avait aussi la belle réaction, la belle intervention du défenseur. La frappe, cette frappe très lourde de Maé Maé qui a failli faire bouche. Oui, cette frappe. Avec beaucoup de la qualité, Maï David qui a dérangé la position même de la lucarne. Une frappe dévastatrice. Clairement, clairement. Et puis on a vu le 1-2 avec Messou qui a frappé. Et cette frappe qui a laissé beaucoup de doutes. Hein. D'aucuns penseraient que c'était un but. Mais non, c'est le poteau. c'est le poteau. Et puis encore une fois, on a vu beaucoup de réactions. Le pénalty malgré avec ce pénalty manqué par le capitaine Sylla. Un pénalty qui aurait dû modifier peut-être son élan, son courage, mais non, loin de cette modification mentale, il est plutôt resté constant et vigilant. Et puis là, l'action avec la dernière occasion côté Magori MC. Absolument. Elle est venue de Raphaël qui malheureusement verra son ballon aller dans le décor. Raphaël, moment de prière, moment de concentration, moment. Les tirs au but. Makori va se lancer avec son dos à 15. Prise d'élan. Que va-t-il faire? Diego Assi, Alex. Alex, il va frapper. Et il rate. Le premier tireur de cette équipe de Makori du jeu prendra ses responsabilités en qualité de premier tireur. Sylla de Yamoussoukro, premier tireur, que va-t-il faire? Prise d'élan. Concentration. Pied gauche. Il frappe et il marque. Il marque. Que va-t-il faire? Le garçon. Il va chuter. Oh. Il va manquer son tir. Complètement à côté. Le gardien de Yamoussoukro, Apikolo. S'il marque, c'est terminé. Apikolo. Il frappe le poteau. Makori est encore en vie. S'il rate, c'est terminé. Makori serait éliminé s'il rate. Que va-t-il faire? On est Aziz Nama. Le but. Il égalise. S'il marque, c'est terminé. Allez, Gueye, allez. Le Yakuba de la région du Bélier, Gueye, allez. Le poteau. Sans faux. Sans faux, Makori. Prise d'élan.
Hirat. Trois tireurs. Oui. On a eu un tireur de part et d'autre. 100 fois a raté son tir. Et celui-ci, s'il marque. Ndavo Zoko, s'il marque, c'est terminé. Ndavo Zoko. Ndavo. Et il marque. Ils sont qualifiés. Yamoussoukro est qualifié. Yamoussoukro est qualifié. Yamoussoukro.